fond, il y a un momentum avec le gouvernement du Québec de développement du numérique à travers les réseaux de bibliothèques. Mm-hmm. Il y a un programme de subvention qui a été ouvert. Au Québec, on a ce qu'on appelle le plan pour le numérique. Donc, c'est en fait des subventions du gouvernement provincial, donc c'est le ministère de la Culture au Québec, qui donne de l'argent aux villes pour développer du numérique dans les villes. Cet argent-là, il est souvent utilisé pour faire des makerspaces. L'objectif, c'est de permettre à la clientèle, aux gens, d'utiliser le numérique, d'apprendre le numérique et de se familiariser avec différents équipements. Des équipements que ces gens, le citoyen normal ne peut pas s'offrir personnellement. Donc, toute la population peut venir utiliser les différents équipements gratuitement. Le troisième lieu. La bibliothèque comme lieu de rencontre et comme lieu d'échange de connaissances et d'apprentissage collaboratif. Au Créalab, on n'a pas beaucoup de livres, mais on est un endroit où est-ce que les ados qui travaillent ensemble et qui s'enseignent des choses les uns aux autres. Donc, selon moi, ça, c'est l'avenir des bibliothèques. Donc, c'est normal que dans une bibliothèque, on ait un service comme ça, parce que c'est la mission des bibliothèques de donner des lieux de rencontre, ce que les ados ont ici. C'est mon travail à moi aussi de pousser le troisième lieu et surtout d'adapter les services pour les autres usagers en général. Promouvoir l'éducation, en fait. Et pour nous, ce qu'on voit, c'est une mission qui est très, très large, en fait, de rendre le savoir accessible. Et ça passe également par la littératie numérique. C'est un courant assez commun en Amérique du Nord. Au Québec, ça a commencé en 2016. Le premier Media Lab a ouvert à la bibliothèque Bibi en 2016. Il y en a quand même eu des courants depuis les années 90 aux États-Unis, évidemment avec le MIT. Mm-hmm. Ce qui est intéressant ici, dans le fond, c'est que ça conserve l'esprit de la bibliothèque, c'est-à-dire un accès au savoir, un accès à la culture, un accès à l'apprentissage, puis le tout dans un contexte gratuit et ouvert à tous, ce qui était très important pour nous.